regarder une petite vidéo qui est la UFO Box du mois alors, de février. Alors comme vous avez pu le voir dans ma vidéo de janvier, la box m'avait pas trop plu, mais celle-ci m'a beaucoup plus plu, donc voilà, je vais vous présenter ce qu'il y a dedans. Alors cette fois-ci, la box est bien bleue absolument partout, elle n'est plus rose et bleue comme j'avais dans la box de janvier. Donc voilà, c'est un très très bon point. Et ensuite à l'intérieur on a des trucs vraiment super sympas. Alors donc en premier on a toujours le petit Woof Mag qui est ici. Voilà le petit Woof Mag comme d'habitude. Donc celle-ci c'est une très jolie photo avec un husky. Voilà. Et il n'y a toujours pas le menu derrière, mais enfin voilà, c'est pas grave. Donc je vais piocher les articles au pif et je vais vous montrer. Alors le premier produit que j'ai vu c'était celui-ci, donc c'était des friandises Kraben Chicken. Donc en fait c'est carrément des surimi enrobés de filets de poulet séchés. Voilà, c'est du surimi et du poulet séché. Bon, c'est pas trop mal, c'est beaucoup mieux que les friandises ultra chimiques qu'on a vu le mois dernier. Là ça va, c'est pas trop mal. Je vais essayer de lui en donner un, on va voir comment elle le mange. Mais en tout cas quand on ouvre le produit... ça sent vachement le surimi. Enfin c'est carrément des surimi, je vais vous montrer. Mais c'est carrément des surimi. Donc voilà. C'est des gros bâtonnets de surimi. Et ça pue le surimi. Et ça va, ça se coupe plutôt pas mal. Ça se sépare bien en deux parce que... Voilà. Alors attendez. Je veux voir comment tu te débrouilles quand tu manges ça. Alors évidemment elle se cache toujours pour manger. Donc voilà, elle a réussi à les manger. Par contre c'est vraiment des friandises assez dures à mâcher. Elle a vraiment eu du mal à les mâcher. Donc c'est plus fait pour les grands chiens que les petits chiens. Mais c'est plutôt pas mal, ça va. Ensuite on a eu d'autres friandises. Mais par contre celle-là ça m'a pas trop plu. Ce sont des petits bâtonnets au menthol. Enfin à la menthe, couleur très vert. Vert fluo, enfin c'est assez bizarre. Je vais essayer de vous montrer. Ouais. Donc c'est des bâtonnets comme ça, en fait, vert fluo. Ça je ne donne pas Ilou parce que bah c'est ultra chimique. on peut pas faire plus chimique je crois. J'évite de donner des friandises chimiques à mon chien, enfin chimiques comme ça, qui sont de couleur rose, vert, bleu, etc. Et qui ont une composition un peu suspecte. Parce que je fais attention à la ligne de mon chien, voilà, à la santé de mon chien. Donc bon bah voilà. Il y a des gens qui vont donner ça à leur chien, d'autres pas. Voilà, ça reste des friandises pour la bonne haleine du chien. Ensuite, donc on a eu des jouets. Alors là, j'ai énormément aimé les jouets pour une fois que j'ai vraiment adoré les jouets. Le premier jouet que j'ai vraiment aimé, parce que Ilou adore ce type de jouets-là. Non, mais tu attends! C'était une girafe comme ça, enfin c'est une girafe. Et à l'intérieur il y a une bouteille d'eau. Et on peut changer la bouteille d'eau à l'intérieur, donc il y a un scratch derrière. Et on peut changer la bouteille d'eau à l'intérieur. Et ça, ces jouets là, Ilou, elle les aime, mais plus que tout ce que vous voulez. Plus que tout au monde, elle les adore. La dernière fois on avait eu une vache, je sais pas si vous vous en souvenez. On avait eu une vache où on pouvait mettre une bouteille dedans. Et ben là c'est pareil, sauf que c'est une girafe et il y a une bouteille dedans. Elle est complètement folle de ces jouets là. En plus ça fait pouic pouic et tout, donc laisse tomber. C'est la folie furieuse. Alors attendez, attends Ilou, mais je t'enlève les petits trucs là avant. Et normalement ça fait pouic pouic. Ah, en plus ça fait pouic pouic. Alors là c'est le jouet parfait. Un jouet où il y a une bouteille d'eau et que ça fait pouic pouic, c'est le jouet parfait. Tu la veux? Tu me donnes la pâte avant. Tiens. Voilà, là je suis tranquille pendant une semaine. Toute une vie. Je suis tranquille pour toute la vie. Ensuite, on a eu des lingettes nettoyantes. Alors, j'ai pas trop compris si c'était pour nettoyer le chien ou si c'était pour nettoyer tout simplement... ah bah si, c'est ça. Donc en fait, ce sont des lingettes pour nettoyer le chien, tout simplement, pour nettoyer le pelage. Ilou, elle a la peau assez sensible. Les dalmatiens, de toute façon, c'est connu, ils ont la peau très sensible. Ilou ça va encore, mais il y a d'autres dalmatiens, ils ont vraiment la peau... Donc j'évite d'utiliser tous ces produits-là tous ces produits-là. De temps en temps, vraiment très rarement, je l'utilise pour sa tête, quand elle a de la boue sur la tête, etc. J'utilise vraiment vite fait ces produits-là pour éviter de mouiller sa tête sous la douche.
Mais c'est très 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 rare. Et voilà, mais sinon j'utilise vraiment très très rarement, juste occasionnellement. Occasionnellement. Ensuite on a eu un autre jouet, donc là c'est une balle en tissu, enfin tu attends, je t'ai pas éduqué comme ça, tu attends. Donc c'est une balle en peluche, enfin en peluche en tissu, c'est pas du tout en caoutchouc et je préfère largement ce type de balle là qui est en tissu et qui ne s'abîme pas en 30 secondes plutôt que les balles en caoutchouc qu'on a l'habitude de voir qui se cassent en 30 secondes avec les grandes mâchoires comme Milou qui ont des dents assez pointu. Donc voilà, ce type de jouet est vraiment très 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 bien. Là c'est vraiment super de nous l'avoir mis. Et ensuite en dernier, et ça j'ai vraiment adoré, c'est on a eu un magazine 30 millions d'amis. Donc voilà, quand j'étais petite je faisais la collection des magazines 30 millions d'amis. J'adorais ce magazine là, c'était voilà, ma vie avant c'était ça. Et bah, ça m'a vachement fait plaisir d'en avoir un dans la Woofbox. Donc voilà, je suis super contente. En résumé, ce mois-ci, on a eu vraiment une superbe box. Ilou, mais... Ilou va faire du bruit avec sa bouteille. On a eu vraiment une superbe box. Il y a juste un produit ou deux qui m'a pas super plu, c'est les sticks à la menthe et les lingettes. Mais franchement, ça va. Sur plusieurs produits, ça va vraiment. Tous les jouets, j'ai vraiment adoré. Et les petits bâtonnets de surimi avec le poulet séché autour, ça va, c'était plutôt bien. Et le magazine 30 millions d'amis était vraiment super. Donc voilà, j'espère que la vidéo de la Woofbox du mois de février vous aura plu. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous, à bientôt.